groupe qui pratique, qui utilise le cannabis comme un moyen de communication avec Dieu, de façon mystique. Et il y en a d'autres qui consomment actuellement le cannabis, mais font pour un autre malade. Je suis capable de dire, oui, vous consommez le cannabis, parce que vous avez une maladie qui s'assoit. Et tant qu'à ceux qui, d'un point de vue récréatif, de consommer le cannabis, vous dites chez eux, qui parmi pas du monde qui veut être élu au Parlement, et puis 1900, ouais, ça, 67, l'année avant l'indépendance, si vous prenez tout ça, va être député comme député qui est au Parlement depuis 68 avec l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, combien que je sais qui fumait couramment le cannabis, y compris dans l'Assemblée, quoi ça, actuel. Est-ce qu'une hypocrisie n'a qu'un degré inimaginable dans le pays, qui n'est même pas capable de nous consommer pour être privilégiés, nous pas vérifier que ça fait ça, que ça. À vrai dire, s'ils avaient pas une synthétique, peut-être qui nous l'action type autrement. Mais avec synthétique, vous réalisez que c'est un élément majeur dans la déstabilisation de la famille. Majeur. Alors, à nous faire un défaut, de mettre de côté l'hypocrisie, à nous point de moment, mettre un facteur familial aussi, est-ce que tout le monde est côté, facteur familial communautaire va déterminer, est-ce que oui ou non, ils aiment tolérer, dépénaliser, légaliser. Il y a trois possibilités que votre pays peut faire. Tolérer, bien qu'il est illégal, dépénaliser jusqu'à une certaine quantité, ou légaliser jusqu'à une certaine quantité. Le tiers, ils vont pas du tout. Il y a des maladies, ça va pas faire une communauté. Ils sont capables d'assister, de gagner la compétence, et de gagner justement un élément positif du cannabis. Et en contrepartie, à l'analyser qui est un élément négatif au plan psychique, au plan psychologique. C'est-à-dire ce qu'on peut faire de comprendre comme un premier élément dans la propagation, c'est une idée que vous avez lancée, c'est qu'il y a une médecine très sérieuse à faire. Avec finir une cause, ça va vous dire, nous, quand vous de pouvoir. Comment de pouvoir, nous pouvons légaliser le cannabis. C'est où là? C'est quoi ça? Ou bien cette légalisation-là, il y a un encadrement pour sa plantation, pour sa distribution, pour sa consommation. Et Rosalie Plon-Constitut, il peut même drafter un bill qui éventuellement, quand ça fera une politique financière, on va déposer, dans le cadre, la loi capable de faire pour produire, distribuer, consommer le cannabis.